C'est clair, simple, mais en même temps, quand on regarde bien, c'est absolument admirable. Avec en plus aussi quand même des volontés, ne faire que des films en noir et blanc. Il n'a jamais fait encore un film en couleur. De travailler qu'avec les techniques les plus directement simples. Bref, il a de ce point de vue une sorte d'exigence artistique qui elle aussi est quand même très rare dans notre milieu et surtout qu'il lui permette justement d'être libre en ne mettant jamais en danger un film pour des problèmes d'argent qui coûterait trop cher, etc. À la fois rechercher la plus grande simplicité, non seulement d'écriture, mais économique. Voilà, si vous voulez, en tout cas, pour caractériser Philippe Garrel, pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, il faut quand même dire qu'il est dans le milieu cinéma, et en tout cas pour ceux qui aiment le cinéma, bon, enfin, pour moi, je répète, le meilleur en France actuellement, et l'un des grands cinéastes, non seulement français, mais international. Voilà pour ce qu'il fallait dire au départ. Par ailleurs, vous venez de voir donc ce film, et vous avez vu un film qui est français, totalement français, inimaginable dans aucun autre pays au monde, pour une raison simple. C'est que là, vous avez 4 ou 5 siècles de l'écriture française, de la dramaturgie française, de la pensée française. J'aurais tendance à dire que si Racine vivait à notre époque, il aurait fait ce film. C'est un film totalement racinien, évidemment, avec 4 siècles qui sont passés. Et en 4 siècles, la société a beaucoup changé, la culture a changé. Il n'empêche que le fond est là et que on s'intéresse qu'aux sentiments, comme dans toute la grande littérature française, et on regarde comment se vivent ces sentiments, comment se découvre la vérité des sentiments à travers les mensonges dans lesquels les sentiments sont obligés de se réfugier pour au fond exister. D'où le sujet même du film. Avec évidemment quelque chose qui exemplarise le sujet, donné au début du film et donné à la fin du film, avec ce personnage qui raconte ses grandes histoires de résistance, alors que pendant la résistance, il avait donné tous ses amis qui ont été fusillés. Et comment vivre par le mensonge et à partir du mensonge pour pouvoir vivre et continuer à vivre, mais en même temps en se mentant sur sa propre vie. Et tout le film est fait sur cette idée. Avec évidemment aussi, toutes les grandes œuvres ont quand même aussi cette qualité, c'est-à-dire déjà dans le titre, l'idée admirable, l'ombre des femmes et tout ce que ça implique. C'est-à-dire, puisque c'est quand même l'histoire d'un homme qui veut voir les femmes d'une certaine façon et qui ne reçoit, enfin qui ne voit les femmes qu'avec l'ombre que lui-même projette sur les femmes. Et je trouve que les deux portraits féminins du film sont magnifiques, quoi. Bon, alors voilà la première chose à dire. Maintenant, peut-être c'est intéressant d'avoir vos impressions sur ce film. C'est comme un film de couple, après tout, c'est un film qui concerne tout le monde, hein. On est tous plus ou moins, un tout petit peu, en rapport avec ce film. Il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire que, et là encore, c'est un peu le génie de la culture française qui essaie de s'exprimer sur des choses aussi fondamentales, en fin de compte. Alors, je vous écoute.
C'est pas une obligation, mais enfin. Bon. Ah ben, ça... Attendez, alors, vous venez parler. C'est vrai que c'est un beau film, et d'une façon, on ne peut pas en parler. Enfin, on peut quand même en parler, parce qu'il y a une... au moins, sur, le, bon, sur la trame elle-même, c'est en même temps. Là aussi, c'est une extraordinaire simplicité. Enfin, je veux dire que sur un sujet comme ça, il y a eu tellement de scènes avec des cris, etc. Ici, la scène où il y a des cris, où il y a un peu de cris, c'est la tension extrême, quoi. Mais sinon, tout est simple. En plus de vérité dans le sens que on prend un milieu élémentaire, bon c'est quand même un milieu comme toujours chez Garel, le proche du cinéma, c'est rarissime que Garel, à l'intérieur de chacun de ses films, ne filme pas quelque chose de l'intérieur même du cinéma. Bon, par exemple ici, nous avons quand même des personnes qui sont dans le cinéma, ils ne sont pas du tout en haut de l'échelle, ils sont même au plus bas de l'échelle, ils sont quand même plutôt des faiseurs essayant de faire des films, que ce soit lui en tant que réalisateur, documentariste, enfin il ne sait pas très bien où il en est d'ailleurs, et elle aussi où elle ne sait pas très bien où elle en est. Par ailleurs, l'autre femme est aussi dans le cinéma, elle est, ça, vous ne pouvez, pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas compris ce que c'était le Fort d'Ivry, ce sont les archives du film, c'est-à-dire c'est là où toutes les archives, tous les films sont déposés dans ce Fort d'Ivry. Donc c'est là où, en effet, il y a cette scène où il découvre l'autre femme et va trouver sur cette histoire d'amour. Donc chez Garel, vous avez toujours donc, ce rapport au cinéma qui est là. Quand quelqu'un a commencé à l'âge de 16 ans à faire déjà des films, il avait peut-être, je crois encore aujourd'hui, quoique c'est un tout petit peu différent avec les caméras d'aujourd'hui, mais en tout cas, pendant très longtemps, il était le cinéaste qui a commencé à faire des films le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'il a commencé à faire un long métrage à 16 ans. Il y a un long métrage qui est sorti en salle et qui a été reconnu, etc. Donc, au moment de la nouvelle vague. Auprès du métier, toutes les plus grandes vedettes, en tout cas en France, ont voulu tourner avec lui. Que ce soit Catherine Deneuve, que ce soit, je ne sais pas, enfin, on peut dire toutes, si, comment elle s'appelait déjà l'actrice viennoise autrichienne qui a joué Sissi. Romy Schneider, etc. Elles ont toutes il a travaillé avec toutes les plus grandes vedettes. Mais à chaque fois, les vedettes savaient très bien que le film ne serait pas un succès. C'est donc parce que il a un rapport au cinéma qui est évidemment pour un comédien magnifique. Ici, vous voyez que bon, Claudine Courreau, elle est magnifique. Bon, c'est une très excellente comédienne. Elle n'a qu'un défaut. Elle est princesse royale. Alors, elle est princesse royale puisqu'elle a épousé un prince royal d'Italie. Bon, on s'en fiche. Mais déjà qu'elle accepte de jouer ce rôle où, en fin de compte, elle devient amoureuse, ou en tout cas, avec un maghrébin, il faut le faire. Et jouer ce rôle-là, il faut aussi le faire. C'est-à-dire que à chaque fois, les acteurs sont prêts à tout faire pour Garel, quoi. Et là, vous avez encore une preuve de plus. Et en plus, elle le fait admirablement bien. Elle est admirable dans le film, et l'autre femme est tout aussi admirable. Et l'acteur aussi, qui est un excellent acteur, mais peu connu, est tout à fait remarquable. Et de ce point de vue, Garel a un extraordinaire talent
pour savoir diriger des comédiens. Il faut dire aussi qu'il est d'une famille de comédiens. Son père était un comédien connu, Maurice Garrel. Et la famille elle-même est très comédien. Et son fils est comédien et maintenant metteur en scène. C'était Louis qui lit le texte, qui est celui qui fait qui lit le texte qu'on appelle off, en dehors. C'est lui. Donc, il sait diriger admirablement des comédiens, et de ce point de vue, ses films sont magnifiques. Par ailleurs, il y a aussi la pensée de l'écriture elle-même. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte, mais c'est fait de telle façon que Garrel sait que le cinéma est un art du mouvement. Et donc, comment travailler le mouvement d'un film ? C'est-à-dire, comment faire par exemple que tel plan, tout le début du film, est un plan où le personnage est sur un fond horizontal, comme s'il était directement collé sur l'écran. Et peu à peu, on se décolle, et après on revient, etc. Et le mouvement des personnages, quand ils se déplacent, sont faits selon la vérité de leur mouvement, de leurs sentiments. Et donc, vous avez à chaque fois ces rythmes-là. Vous ne vous en apercevez pas de l'extérieur, vous le ressentez intérieurement. Quand je vous dis que c'est Racine aujourd'hui, bon, bien sûr que c'est absurde, mais en même temps, c'est vrai que le fameux Alexandrin de Racine, dont on sait qu'il a été le plus grand maître de l'Alexandrin en France. Enfin, il n'y a personne n'a jamais fait des Alexandrins aussi beaux que ceux de Racine. Ben, on peut dire qu'il y a ça dans la façon dont Garrel travaille le mouvement, et le mouvement des personnages et le mouvement des caméras. Comment les caméras vont, par exemple, quand la caméra est en travelling, quand la caméra est en revanche caméra portée, etc. Et à chaque fois, ça change. Parce que justement, les sentiments sont à ce moment-là plus ou moins vifs, etc. Enfin bon, il y a en même temps, comme tout est toujours très, très, très simple dans la façon de filmer, apparemment, donc vous ne remarquez pas, il n'y a pas de jeu qui extériorise, par exemple, les lumières, etc. Quelquefois, vous en avez, mais ça passe tellement de façon discrète que, bon, par exemple, il y a le moment où le personnage de l'homme se retrouve seul chez lui, dans son appartement, juste après la rupture, et il y a un éclairage, d'un seul coup, ça devient sombre, et ça redevient clair, comme si c'était, bon, et puis ça passe, et vous n'y faites pas attention. Et seulement, et ça, j'ai encore ressenti aujourd'hui avec vous, quand on voit le film, on s'aperçoit que peu à peu, au début du film, bon, oui, d'accord, c'est une histoire de couple, etc., et que peu à peu, le public est complètement entraîné. Peu à peu, on entre vraiment dans le film, parce que justement, toute l'écriture vous entraîne dans le film. Ce n'est pas de l'extérieur que ça vient de l'intérieur. Et à la fin du film, je ne pense pas que quelqu'un, ici dans cette salle, a dit « Oh là là, que je me suis ennuyé ». Je ne le pense pas. Enfin, peut-être, hein, mais ça me semblerait étrange. Bon, j'ai l'air de faire beaucoup de compliments sur ce film, mais je pense qu'il le mérite. Voilà. Oui, c'est pas le premier film de Philippe Garrel que je vois, et j'aime beaucoup la famille Garrel. Et justement, ce que je voulais vous dire, et je suis d'accord avec vous sur ce point, c'est que je trouve que c'est très difficile de mettre en image les sentiments, et que justement, Philippe Garrel a l'art et la manière de nous faire passer les sentiments des personnages, voilà, ce qu'ils vivent intérieurement et grâce à sa manière de travailler l'image. Absolument. Et puis alors aussi, travailler les sentiments d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui. Parce que le monde qui nous représente est... Alors, on ne peut pas faire plus que... Enfin, c'est comme ça aujourd'hui. À tout niveau, les attitudes, les comportements et surtout les sentiments. Où la femme est libérée, et puis le regard de Garrel dit carrément mon œil. C'est tout. Oui. Et c'est pas pour ça que ça s'appelle l'ombre des femmes, c'est-à-dire au fond,
ce que l'on veut voir des femmes. Et l'homme comprend très bien que lui, il a le droit, mais il ne comprend pas que la femme ait le droit. Voilà. Donc, aussi clair et aussi simple que ça. C'est qu'il y a encore du travail, oui. Comment ? Il y a encore beaucoup de travail dans la relation entre les hommes et les femmes. C'est très... Tout ça est vraiment parfaitement dit et surtout parfaitement lisible. C'est-à-dire, tout spectateur comprend, en fin de compte. C'est-à-dire que ça paraît très simple, mais en même temps, il y a un travail énorme, justement, sur ces allers-retours dans les relations entre les hommes et les femmes. C'est dans tous les films de Philippe Garrel. Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours ressenti. Au début de son cinéma, c'était personnel, mais il avait encore une tendance à prendre position sur le cinéma en tant que pensée du cinéma, en tant que technique du cinéma, en tant qu'écriture du cinéma. Alors que maintenant, tout ça est gommé, cela est. Mais c'est complètement invisible aujourd'hui. Mais en effet, s'il n'y avait pas toute cette maîtrise et de réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'art du cinéma, on n'aurait pas ça. C'est évident. Et je veux dire, pourtant, je pense que vous avez tous vu des films français sur des histoires de couple, des histoires d'amour. Il n'y en a pas beaucoup qui sont à ce niveau-là. Hein. Non. Puis on a l'impression d'une véritable écriture. Comment ? On a l'impression d'une véritable écriture. C'est ça. On sent l'écriture. On sent une écriture. Et c'est pour ça que je fais parce que c'est plus facile, évidemment, parce que tout le monde l'a en tête. Mais c'est vrai que si je fais référence à Racine, c'est pas pour rien. Parce que l'écriture de Racine, elle est absolument fabuleuse. Et la dramaturgie est dans l'écriture. Bon, en plus, avec cette histoire de... Enfin, pour revenir à Racine, oublions-le après, mais... Racine, c'était une année de réflexion et 3 jours d'écriture. En 3 jours, vous aviez la tragédie de Racine, avec tous les vers. Ça, il faut le faire. Oui, d'autres réactions ou des sentiments, parce que bon, c'est vrai que c'est pas facile à parler d'un film comme ça. Madame, si vous voulez. Oui, bonsoir. Faites des petites remarques un peu surfaites. Simplement, c'est vrai, quand le résistant est filmé, on sent bien qu'il raconte, que c'est fumeuse qu'il raconte, en fait. On le sent bien. Quand il parle la première fois avec le couple, on l'écoute, c'est un témoignage. Et après, une fois qu'il est filmé, on sent bien que ce qu'il dit, il ne l'a pas vécu. Ça, c'est... Je ne sais pas, ouais. J'ai dit, le faux résistant... Oui. Je dis, la deuxième fois qu'on le voit avec quand il est filmé, on entend bien que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Ça vous fait pas cet effet-là ? Non. Il ne s'agit pas de croire que. Il ne s'agit pas de comprendre que c'est pas vrai. Si. Non, mais justement, je trouve qu'on le comprend justement. Bon, on le comprend pour une raison très simple. Parce qu'il raconte n'importe quoi. C'est que, pourquoi ? Parce que bon, il y a lui à droite. Eux, le couple à gauche, la caméra va de l'un à l'autre, et lui et la femme, l'épouse, qui sait, elle. Je pensais plutôt à la deuxième scène quand il est filmé, mais pas à la scène avant la caméra. Quand il raconte, oui, le Veldiv, j'étais pas au courant, on voit bien qu'il raconte n'importe quoi. Oui, mais la femme est encore là, si je me demande. Oui, elle est là. Et en réalité, elle sait. Et elle sait qu'il raconte ses histoires. Et j'aime beaucoup le moment du gâteau. Les petites friandises, là. Tout ça pour couvrir, pour faire en sorte que, au fond, leur dire sans leur dire, que tout ça, c'est des bidons. Et qu'il vaut mieux manger le petit gâteau. Enfin, tout est dans cette. Tout est subtil comme ça. Et évidemment, c'est très beau à la fin. Il meurt. L'enterrement, on ne voit pas l'enterrement, mais le problème est réglé. Pourquoi se mentir à ce point, quand même ? Voilà. Et pourquoi camoufler ses faiblesses, ses lâchetés Attendez, pardon ? Je pense subitement, les gâteaux en forme d'étoile. C'est
C'est ça, oui, absolument. Absolument. Mais en plus, bon, l'idée aussi, très, très culottée, mais très simple, de faire que d'un seul coup, elle est amoureuse d'un jeune maghrébin. Ce qui, évidemment, dans un film aujourd'hui, reste encore un peu stupéfiant. C'est-à-dire que cette femme-là, je parle de celle du film, hein, je ne parle pas de la comédienne, enfin de la, mais celle du film, on ne s'attend pas à ça. Elle est avec lui, etc. Et en plus, lui, le choix n'est pas non plus innocent. C'est-à-dire qu'il choisit un bon acteur, qui est un très bon acteur, mais d'origine polonaise. Donc on ne peut pas dire qu'il a tout à fait le type maghrébin. Donc c'est pas pour rien. Il y a, si vous voulez, tout un non-dit dans le film, et d'où l'importance de l'histoire de la résistance. Car vous avez pu quand même remarquer qu'au début, il fait un film sur la libération de Paris. Et on voit les images qui sont des images d'archives. Justement, si on parle des archives, ça renvoie aussi à l'arrivée aux archives des films où ils découvrent le personnage de Geneviève, etc. Bon. Tout ça est extrêmement subtil, très simple, et ça passe. Et puis en même temps, les gens ne sont pas... j'allais dire des noms, mais je n'allais pas le dire. Je ne vais pas le dire, mais des gens qui, d'un seul coup, vous montrent bien, vous font comprendre ce qu'il faut comprendre et combien c'est à profond ce qu'il faut comprendre. Là, c'est entièrement lisse et il y a une vérité sur notre époque que je trouve admirable et qu'on ne voit rarement exprimée de cette façon au cinéma. Voilà, c'est pour ça que j'avais choisi ce film, parce que je pense qu'il mérite absolument d'être vu, et je vous jure que si vous avez l'occasion de le revoir, vous y prendrez encore un plus grand plaisir. C'est vraiment un très beau film. Bah, je ne sais pas, on ne va pas tellement continuer, puisque je ne suis pas sûr que vous ayez tellement de choses à dire, mais plutôt à absorber ce film. Enfin, sinon, c'est bon. Enfin, s'il y a quelqu'un qui veut parler, allez-y, parce que... S'il vous plaît, là. Oui, alors allez-y, pardon. Moi, j'avais juste une remarque à faire, c'est-à-dire que jusqu'à ce que la jeune fille, elle sorte un téléphone portable, j'ai pensé qu'on était dans les années 70. Que la jeune fille ? Pas compris. Jusqu'à ce que la jeune fille, la stagiaire, sorte un téléphone portable. Ah ben, ça aurait pu, oui. J'ai vraiment imaginé qu'on était dans les années 70, en fait. Oui. Pardon. Bah, de toute façon, justement, et les gens qu'ils filment, comme ils ne sont pas du tout attachés au côté mode, on ne sait pas très bien, l'époque. Oui, parce que non, mais il y avait les vêtements de Clotilde de Courau, de Manon. Il y avait les voitures. Enfin, on n'avait pas d'indice vraiment pour dire que c'était en 2015. Comment? Ah oui, non, mais c'est très précis. Si on parle du costume, ce sont des costumes totalement indifférents d'aujourd'hui, mais en effet, mais ayant hélas vécu un peu plus cette époque que vous, les années 50, non, c'était quand même, on était codé au point du vêtement en 50, beaucoup plus qu'aujourd'hui, beaucoup plus codé. Oui, non, c'est ça. Et puis en plus, comme ce sont des gens qui sont justement dans un milieu où on peut être apparemment indifférent au costume, ce qui est aussi une façon d'être à la mode, bon, c'est vrai que de ce point de vue-là, ça ne compte pas trop. Oui, puis de toute façon, c'est pas si important que ça, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que
cette difficulté, moi, c'est ce que je ressens, à trouver sa place pour leur place aux hommes et aux femmes dans cette évolution qui traîne depuis des années, effectivement, et qui n'est pas finie. Et donc, il y a une description des sentiments, et comme vous faisiez référence à Racine, et c'est temporel et intemporel, en fait. Donc, absolument. Et puis, en plus, il y a quand même une chose assez complexe dans le film. C'est que disons l'épouse, puisque c'est son épouse. Elle se sacrifie un peu pour lui. Oui. Alors que l'autre, qui est quand même celle qui transporte les bobines, bon, c'est quand même un metteur en scène, même si c'est un tout petit metteur en scène, il y a une possibilité de monter. Et le calcul intéressé n'est pas donné dans le rapport. Mais en sous-main ou en sous, en dessous, il l'est quand même présent. Qui va avoir l'homme? C'est pas compliqué. Et lui, le seul problème, c'est que il ne sait pas. Et à la fin, il découvre que son épouse, c'est quand même, au fond, d'elle dont il a besoin. Voilà. Oui, probablement celle qu'il aime. Mais je trouve que c'est très fort sur l'idée vraiment comment l'homme se fabrique. Se fabrique mentalement sa femme et non pas la réalité de la femme. Et ça, c'est vrai. Je trouve que c'est très beau là-dessus. Alors que, de ce point de vue, la Garrel, c'est un peu un sentiment personnel, mais je pense que tous les grands cinéastes que j'aime et sont quand même pas un peu nombreux, quand même, tous sont des cinéastes qui au fond défendent les femmes. C'est pour ça que je vous ai présenté entre autres le dernier film de Mizoguchi qui a été un cinéaste japonais qui a toujours défendu la femme. Et c'est pas pour rien qu'il est moins aimé que Ozu au Japon, parce que ça les dérange quand même. Et John Ford, que vous voyez, est quelqu'un qui a quand même, alors qu'il semble toujours donner le beau rôle au masculin, il n'empêche que la femme chez John Ford, c'est capital. Et son dernier film, je sais pas, vous le passez le dernier film hein, Frontière chinoise, merci. Frontière chinoise, c'est un film magnifique sur les savoir sur l'homme et la surtout sur les femmes. Magnifique. Et tous les grands cinéastes défendent les femmes. Enfin, je veux dire que, sinon, ce n'est pas la peine d'être un grand cinéaste. Si on est un grand cinéaste, il faut savoir se servir de l'œil de la caméra pour découvrir le monde. Et si on veut découvrir le monde, il faut bien se rendre compte que la femme, c'est important. Voilà, c'est tout. Bon, on va peut-être s'arrêter sur cette évidence. Enfin, pas pour tout le monde, mais... Voilà, écoutez, en tout cas, merci. Puis, la fois prochaine, on voit aussi un film très, très différent, mais aussi sacrément pas mal. C'est le film Mélancolia de Vond, qui est un film magnifique aussi. Voilà, écoutez, merci beaucoup.